Bonjour tout le monde, je m'appelle Seydou Lobé Kamaté, président du Forum démocratique de la jeunesse du Mali. Durant l'année 2020, le FTJM a eu à mener trois activités sur deux programmes différents, notamment une formation de 20 jeunes en agriculture et 40 autres jeunes en production de savon artisanal. L'objectif des formations du Forum démocratique de la jeunesse du Mali est de former les jeunes à mieux s'aventurer dans l'entrepreneuriat. Ainsi, nous comptons lutter contre le chômage des jeunes et voilà, améliorer leurs conditions de vie. Après une récente étude menée par l'équipe technique du FTJM, le bilan il est satisfaisant sur les jeunes formés. Notamment, tous les jeunes sont pour le moment en activité. Et je crois que la rentabilité, elle commence à se faire sentir. Cette formation nous a beaucoup appris, notamment les pratiques sur les cultures maraîchères, comment faire un plancher, comment faire une pépinière, comment arroser, comment récolter, plusieurs choses. Nous avons été formés par notre professeur en culture maraîchère qui est M. Samake. Après la formation, la FDGM nous a doté des kits, notamment les arrosoirs, les dabas et autres choses. Et ainsi, une somme de 50 000 francs par personne pour aller mener l'activité ailleurs. Ce que moi, personnellement, je voulais faire dans l'avenir, c'est d'exécuter ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris lors de la formation, qui est d'avoir un terre spécialement à moi, d'avoir des outils de travail, d'avoir de l'eau permanentement, d'avoir des bonnes semences pour exécuter le travail et d'avoir aussi des gens à me conseiller, d'avoir aussi des gens à m'aider pour mener cette activité qui est la culture maraîchère. Cette visite d'aujourd'hui me permet à beaucoup de choses. Vraiment, je suis contente de voir les jardins. Ça me donne beaucoup de plaisir, quoi. Ça me donne l'amour de faire les maraîchages. Oui, l'année prochaine, je vous promets de faire la même chose. Ce que je peux conseiller, je peux donner comme conseil aux dames, bon, que tu sois femme ou homme, moi je crois que ça ne gâche rien, quoi. Tu es là, et nous sommes déjà bas de dire. Quand bon, faut bon, c'est là. Aïe, quand on a un bon, c'est là. Nous sommes déjà dans la belle main. Mais il faut la mener là. Alors, courage, nous avons pour continuer les baraques. À quand on a un barak, à quand on a un barak, à quand on fera. Oui, j'ai un champ ici cultivé en oignon. Bon, c'est la formation issue de l'FDGM. Ouais, c'était basé sur la formation des cultures maraîchage. Bon, on a parlé de la commercialisation, comment cultiver et surtout comment améliorer la fertilisation d'un sol. Bon, c'est à travers beaucoup de processus qu'on a fait cet oignon. Ça dépend beaucoup du travail, du courage, du tout. Ouais, bon, ça a à peu près maintenant un mois, deux semaines que cet oignon-là est planté. Le Forum démocratique de la jeunesse du Mali a tenu une activité de remise de bilan annuel des trophées de la meilleure association de la commune 5 et de remise d'attestation aux élèves formés en restauration par le groupe gastronomique professionnel. C'était au Blumba, 6 à Bakodjikoroni, ce jeudi 10 décembre 2020. Plusieurs associations de la commune ont pris part à cette activité. Pour Seydou Kamaté, président du FDJM, cette rencontre est une occasion de présenter le bilan des activités de 2020 et de projeter les objectifs de 2021. Elle nous offre l'heureuse occasion de faire le point sur les activités réalisées au cours de l'année 2020. Mesdames et messieurs, votre présence ici nous témoigne toute la confiance que vous accordez à notre démarche vers un Mali meilleur et une jeunesse épanouie. Ainsi, de sa création en 2015 à nos jours, le FDJM, en collaboration avec ses différents partenaires, a mené des activités dans plusieurs domaines, parmi lesquels la formation professionnelle, le coaching et la réorientation vers des activités génératrices de revenus.
En 5 ans, nous avons formé 300 jeunes, soit une moyenne de 60 jeunes par an, dans des secteurs techniques et professionnels, pouvant aboutir à un emploi. Il y a un peu de temps, oui, ça fait barré. Voilà, mais ça fait glané. Précisément, mais ça fait un peu de glan, mais plus gros glan, mais ça fait un peu de glan, mais déjà vert glan. Donc, un peu au barré de glan. On est là, j'aurais mis à Kondana. Déjà, en activité Kondana, comme j'ai fait, mais ça fait un glan. En même temps, mes formations sont faites. Donc, je suis formateur. En même temps, chef de production. Bonjour, je me présente Madame Kaoulé Julien Djakité. J'ai bénéficié de la formation savon liquide Gabagoudeni Koulikoure et Eau de Javel. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu réaliser mon propre savon liquide et Eau de Javel, que j'ai même commencé à commercialiser avec une amie, une bénéficiaire de plus. Du coup, je remercie infiniment le Forum pour cette belle initiative d'aider nos jeunes Maliens à être entrepreneurs pour le développement de notre pays. À ma formation de savon, j'ai pu faire ma marque de savon liquide Femme Pro. On m'a évolué ça fait des glands. Nous, ça fait des jeans, on les avait les cabas rouges, les couleurs. Bon, entreprise brava, entreprise, mais ça fait des glands. En plus de ça aussi, on m'a matière première, nous veut faire ça fait des glands. On m'a le fait faire. On m'a évolué formation fait là. Ami, j'ai cru former, faut que c'est mon rôle qu'il est qu'il nous fait maintenant.